Et bonjour les amis. Bon, alors aujourd'hui, je vais rassembler les mini puces centrales, c'est-à-dire les mini puces Ménucléi pour l'hivernation. D'accord? Voilà, donc je vais les faire hiverner en bloc de deux, quoi, voilà, sur deux corps. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait déjà il y a 2-3 jours, où j'avais des colonies sur un seul corps, comme ça, là, avec son nourrisseur. Oli, qu'est-ce que tu fais avec ton bâton? Hein? Et je les ai superposées tout simplement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'en avais une sur deux où j'avais piqué une reine, donc une sur deux qui restait une reine à côté. Et donc, je vais les rassembler. Alors, elles sont juste superposées. Alors, celle-ci a une reine. Et celle-ci, j'avais pris la reine. D'accord? Il y a son plateau là. Là, il y a son plateau pour ce corps, le plateau pour l'autre corps. En fait, c'est deux éléments simplement posés l'un sur l'autre. Hein? Voilà. Et les entrées sont là. Voilà. Une entrée là et une entrée là. Donc là, ce que je vais faire, je vais les rassembler par la méthode du papier journal. Voilà. Même si j'aime pas le papier journal. Allez, donc c'est parti. Alors, pourquoi je les ai superposés? Tout simplement, c'est déjà pour faire une pré-acceptation. C'est-à-dire, les abeilles qui sont ici dissociées de celles-là, eh ben, elles ont toujours tendance à rentrer à l'intérieur. Donc déjà, les butineuses de celles-ci qui sont parties et qui sont rentrées vont avoir tendance à rentrer par là. Donc celles-ci ont déjà un peu la mémoire de celles-ci et vice-versa, celles-là un peu de la mémoire de celles-là. Voilà. Et maintenant, je vais les rassembler corps et âme. Mais par la méthode du papier journal quand même. Voilà. Sachant que là, il y a une reine, là, il n'y en a pas. C'est parti. Donc, il est évident que celle-ci, elle a dû s'affaiblir un peu plus, hein, que celle-là, évidemment. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais enlever le nourrisseur. Quatre abeilles, c'est tout. Alors attendez, je vais la mettre là, sinon vous voyez rien là. Voilà. Alors je répète, je mets un plastique, c'est pour éviter qu'elle colle les cadres sous le nourrisseur. Bon, il y en a qui vont dire plastique, et ouais, voilà. Bon, effectivement, on peut toujours dire. Hein. Moi, j'aime pas le papier journal. Il y en a, ils aiment pas le plastique. Je vais enlever les gants parce que l'homme élégant n'a pas besoin de gants. Alors, non, je ne suis pas encore là. Donc, à celle-ci, je vais lui enlever son fond. Alors, il est évident que faut que j'enlève tout ça qui va dépasser, hein. Parce que le dessous, elles ont tendance, c'est un peu le problème du mini plus polystyrène là, avec ses nourrisseurs, avec ses fonds qui sont creux là, que je supporte pas. Après, elles construisent, hein. Bon, ça, faut que j'enlève parce que ça, je vais le poser évidemment là-dessus, hein.
une chaleur là. Et en plus, ces planchers, c'est un ramasse merde. Voilà. Donc, je vais poser mon journal. Dans lequel je vais faire des petits trous. C'était mon frère Michel qui m'avait enseigné cette technique de quand j'étais jeune. Pour accepter deux colonies entre elles, parce que qu'est-ce qui va se passer, cette colonie, elles vont vouloir manger le papier journal pour pouvoir, parce que là elles vont se retrouver enfermées parce que j'ai enlevé le fond, d'accord, vont se retrouver enfermées là au-dessus, donc là elles vont pouvoir respirer par les trous, puis ça va leur faciliter le travail, c'est-à-dire qu'elles vont manger, enfin pas manger mais évacuer le papier qui vont leur permettre de communiquer doucement avec celle-ci, et ça se fait en douceur après l'acceptation, voilà. C'est un peu comme les cages à rennes où on met du candy pour une acceptation temporisée. Et voilà. Voilà, bon. Donc là, dedans, dans ce sac à caca, là, il y a des abeilles, évidemment, hein. Donc, il faut que je le remette dans cet élément. Hein. Donc, pour ce faire, j'ouvre aussi là. Voilà. Je vais faire descendre un peu. Et elle. Voilà, voilà. Et voilà, la réunion est faite. D'accord? Papier journal qui dépasse un peu. Puis ça, ça servira pour le printemps suivant. Lorsqu'au printemps, elles vont répondre, parce que là, la reine va se faire accepter, etc. Donc au printemps, ben, lorsqu'il y aura du couvain ici et du couvain là, clac, je coupe en deux, je remets un plateau, je remets un toit, et puis c'est reparti, je divise. C'est une ruche divisible, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc évidemment, maintenant il n'y a plus qu'une entrée. Hein. Alors je répète, c'est que je suis là. Voilà, celles-ci vont manger le papier ici et rentrer et communiquer avec le bas. Et l'entrée sera commune et tout le monde ça accepte. Voilà. Dac. Voilà. Bon, ben là je vais continuer ainsi de suite pour faire les autres. Ah, j'ai oublié une chose, c'est mettre ma languette de traitement. Ben voilà. Bon, je vais rouvrir en fait, je vais mettre ma languette. De traitement qui est dedans, voilà, j'ai oublié ça, faut que je le fasse. Merci Laure. Alors normalement on met les gants, hein. Parce que là c'est chimique. Hein.
Là, le vent, il n'est pas en ma faveur. Putain, c'est pas vrai. Voilà. Si ça veut jouer à plus con que moi, c'est sûr que ça va perdre. Et moi, je vais gagner. Bon, le papier.